Novamente ele chegou com inspiração. Com muito amor, com emoção, com explosão, um gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol. Tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo. Deuxième camp. Teve humildade, um gol. Présentation, donc là nous avons le réchaud hein, qui permet de faire cuire des noodles. Là nous avons la glacière. Arrange tout, la cuisine, la vaisselle, roue de secours, de la flotte pour se laver le cul. Voilà, la bâche du toit, l'échelle. Là nous avons Alexandra. Là c'est gros bordel, hein, c'est tous nos freins. Là la petite pelle. Et la hache. Voilà, nous avons utilisé la pelle aujourd'hui pour aider quelqu'un qui s'était embourbé, qui avait crevé, pardon. Et notre chambre qui est juste là. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu maravilha, nós gostamos de você. Yeah boy, fuck to with the life. Sunset, hein, c'est ça. Et... c'est une coutume que nous avons instaurée chaque soir, tous les soirs. Ça, c'est ce qu'on appelle une bière, et ça, c'est ce qu'on appelle un bouillon de noodles. C'est appétissant, hein. Ouais, il a reçu un peu le bonhomme, ça fout. Oh, Namakamboé. Quelques inconvénients à dormir près de la mer, c'est qu'ici il y a du brouillard et que c'est tout mouillé. Le bon matin à 7h. Ça c'est la chambre. Voilà. On dort. 1m20 par 2m. Largement.
voilà, ça goûte, c'est pas top. Puis là, ça fait une piscine, quoi. Thank you.